Donc, on va commencer à s'équiper pour grimper dans les arbres. Donc, alors, donc voici le harnais d'élagage avec les éléments essentiels nécessaires à la grimpe. Donc, une longe pour avoir un deuxième point d'amarrage, un crochet porte-matériel, notamment pour attacher la tronçonneuse, la longe pour sécuriser la tronçonneuse, quelques mousquetons et la pharmacie si besoin. Voici les griffes d'élagage qui vont nous servir à démonter l'arbre et à pouvoir se positionner exactement où on veut dans l'arbre, notamment grâce aux piquants qu'il y a sur les griffes qui nous permettent de piquer les pieds dans le tronc et d'être à l'aise dans toute position. Et donc voici le casque d'élagage avec une aération, une jugulaire pour pouvoir l'attacher et la visière de protection. Donc, on vérifie que le harnais est bien attaché. Et la deuxième. Et important, une paire de gants pour éviter les micro-blessures, les coupures ou les échardes dans les doigts. Fin de la phase d'équipement qui comprend la mise du harnais, des griffes, du casque et des gants. Ensuite, nous allons procéder à l'attache de la corde d'accès, démarrage de la tronçonneuse pour que cette dernière soit chaude. Ne pose pas de problème de démarrage une fois dans l'arbre. Et donc nous procédons maintenant au début de la phase d'ascension de l'arbre en vue d'aller s'attacher sur un point haut duquel on pourra travailler sur toute l'architecture de l'arbre en prévision de son démontage. Démontage qui est un abattage de l'arbre morceau par morceau. Alors à la continuité de la phase d'ascension à l'aide des griffes et de la longe armée que alors, au fur et à mesure de l'ascension, nous allons voir que nous éliminons quelques petites branches qui gênent l'ascension et qui gêneront lors de la première descente en vue du démontage de l'arbre. Alors, la pose de la corde en vue d'enlever la longe pour passer une branche et de toujours avoir un point d'ancrage en termes de sécurité pour toujours être attaché dans l'arbre. Voilà, donc là on enlève la longe et on est attaché par sa corde et on continue à passer des branches et on se relongera un petit peu plus haut. Alors, on arrive presque à la fin de l'ascension, étendant le houppier et on installe donc son système de fausse fourche sur lequel on installera notre corde pour commencer à redescendre. Et voilà, donc le système est installé, on commence à redescendre. La phase d'analyse va commencer pour savoir dans quel sens on commence à couper les branches pour un abattage final de l'arbre. Donc là, on fait redescendre la corde sous nos pieds pour que la corde soit toujours sous nos pieds et accède au sol et touche au sol si besoin d'une descente en urgence suite à un problème. En phase d'analyse, pour étudier si la branche peut être coupée directement ou pas, s'il y en a d'autres qui gênent en dessous, selon la place de disponible au sol. Et cette phase est forcément répétée avant la coupe de chaque branche. Donc la modification du système d'accroche du grimpeur sur la corde pour faciliter le déplacement et surtout la remontée sur corde.
début du démontage de l'arbre. Donc les branches qui passent directement, qui peuvent tomber directement au sol, sont coupées directement. Certaines devront être pré-coupées et jetées à la main selon la place disponible au sol et les contraintes. Donc les contraintes diverses comme le fil de téléphone, le grillage, les clôtures, d'autres arbres. Phase d'ascension qui sera répétée maintes et maintes fois au cours du démontage de l'arbre pour toujours être attaché en direct entre notre point d'ancrage et l'endroit où on se trouve dans l'arbre, qui est très important. Réalisation d'une entaille directionnelle pour contraindre la branche lors de sa chute à tomber exactement à l'endroit où on le désire. Comme la branche a un penchant naturel qui ne penche pas du côté où on veut la couper, on réalise donc une entaille directionnelle avec une charnière asymétrique pour que la branche soit contrainte à tomber exactement où on le désire. Les branches qui ont un léger penchant du côté où elles doivent tomber sont réalisées ainsi avec une entaille directionnelle pour leur imposer une direction de chute. Comme vous pouvez le constater, nous recommençons une ascension pour accéder à un endroit différent de l'arbre pour son démontage. Et c'est donc un métier qui nécessite une bonne forme physique, puisqu'à chaque fois qu'on tire sur la corde, nous tirons l'équivalent de la moitié de notre poids, plus auquel il faut rajouter le poids du matériel. Harnais, pantalons, chaussures, tronçons.
pour la coupe d'un billon qui a un penchant naturel du bon côté, une entaille directionnelle n'est pas nécessaire. On peut faire un trait de scie en direct. Un billon est donc un petit morceau de tronc de 2 ou 3 mètres de long. Alors là, c'est une prédécoupe de la branche à l'aide de la réalisation d'un double trait de scie qui se chevauche. Comme ça, ça nous permet de la prendre à la main, de la casser et de la jeter où on veut. Qui est une autre technique de découpe de branche, qui est répétée ici. C'est ce que vous voyez à l'instant. La branche est prédécoupée, cassée à la main, pour pouvoir être envoyée exactement à l'endroit souhaité. Phase d'analyse en vue de la coupe de la tête de l'arbre pour bien estimer son penchant naturel et voir si elle peut tomber à l'endroit désiré à l'aide de son propre poids sans avoir besoin de système de treuillage quelconque. Donc réalisation de la charnière, de l'entaille de direction, réalisation de l'entaille de direction. Réalisation du trait de scie arrière en vue de coupe de la branche, de la tête, de l'arbre et chute de cette dernière à l'endroit des yeux. Alors, changement de tronçonneuse en vue de l'abattage de l'arbre. Donc, nettoyage du filtre à air qui s'encrasse petit à petit avec la poussière due à la découpe des branches. On commence donc par fermer l'arrivée d'air
du carburateur pour pas qu'au démontage des petites poussières viennent s'y loger. Et en effet, vous pouvez remarquer qu'il y a un certain nombre de poussières à l'intérieur de celui-ci. On va donc le taper légèrement. Et une fois celui-ci nettoyé, on le remet en place et on revisse le carter. Et voilà. Et donc début de l'égoblage du tronc à 80 à 90 cm de hauteur pour laisser un morceau de billon après abattage en vue sur une table ou autre. Début de l'égoblage. Donc l'égoblage consiste à rétrécir le diamètre du tronc afin de pouvoir abattre ce dernier. Et donc là, nous pouvons voir que la tronçonneuse ne coupe plus très bien. Cela va donc nécessiter un affûtage de la chaîne de scène dernière. Donc, on affûte la chaîne pour qu'elle coupe bien, en commençant toujours par les maillons rouges, et notamment le maillon le plus court, pour que toutes nos dents aient la même taille, et que la chaîne ne tronçonne pas plus d'un côté que de l'autre. En faisant attention que la dent soit bien assez creusée, pour que le copeau soit bien évacué de la chaîne lors du tronçonnage. Et donc on alterne les dents droites et les dents gauches. Les maillons gauches seront affûtés. On vérifiera que le limiteur de profondeur est assez descendu. Et si besoin, on le relimera du coup avec une lime plate pour définir la bonne épaisseur du copeau. Réalisation de l'entaille directionnelle en prévision de la chute et de l'abattage du tronc du peuplier restant. Finition de l'entaille directionnelle pour qu'elle soit bien propre, qu'un petit morceau de bois ne vienne pas perturber la direction de chute du tronc. Thank you.
début de la réalisation du trait de scie arrière en vue de l'abattage du tronc. Nous allons ensuite procéder à la pose des points d'abattage pour sécuriser l'abattage et éviter que le tronc ne vienne s'asseoir sur le trait de scie et pince la lame de tronçonneuse. Fin de la réalisation du trait de scie arrière et du tronc. Alors, découpe finale du tronc à 90 cm de hauteur en vue de conserver la base de l'arbre qui servira plus tard de table ou de support quelconque pour poser un potager. Donc, nous pouvons nous apercevoir que l'ensemble des branches et du bois vient tomber dans la partie prévue à cet effet. Ce côté-là, on creuse. C'est super bon pour moi. Je me présente donc un petit peu. Je m'appelle Julien Métayer. J'ai 38 ans et ça fait donc maintenant une douzaine d'années à peu près que je suis grimpeur et lagueur. Je suis venu à l'élagage après la découverte des métiers forestiers au Québec, où j'ai eu l'occasion de séjourner pendant 2 ans et demi et de découvrir différents métiers forestiers. Par la suite, à mon retour en France, je me suis donc renseigné pour trouver des formations qualifiantes dans le domaine forestier. J'ai donc commencé par un brevet professionnel en travaux forestiers pour m'ouvrir à un panel de connaissances et de compétences plus important. Et l'année suivante, j'ai donc fait un certificat de spécialisation de grimpeur et lagueur pour mettre en parallèle mes passions, qui étaient l'escalade notamment, et un métier en rapport avec la nature et les arbres. Ça fait maintenant un peu plus de 5 ans que je suis installé à mon compte. Ça se passe plutôt bien. C'est un métier passionnant, néanmoins qui demande quelques qualités, notamment un aspect sportif non négligeable et une bonne hygiène de vie. Donc ça permet de vivre confortablement avec un volume de travail raisonnable, 35 à 40 heures semaine, quelle que soit la saison, selon la volonté du grimpeur. L'hiver étant un petit peu plus chargé, on peut néanmoins toujours travailler en période estivale à faire d'autres travaux. Donc c'est donc un métier passionnant, comme je vous l'ai dit, qui permet de vivre confortablement quand on l'exerce. Néanmoins, il faut prendre en compte que cette vie confortable ne dure qu'une quinzaine ou une vingtaine d'années. Hein. On ne grimpe pas dans les arbres jusqu'à 65 ans, voire plus selon l'évolution des sociétés.